Merci beaucoup pour le QSP avec la station espagnole. C'est très apprécié, Cédric. Merci beaucoup. Tous les bons chiffres tournés de ton côté, de tout l'ensemble du groupe ici sur Gatineau. Et par contre, de tout l'ensemble du groupe sur les canaux, le QSL, Cédric. Ouais, affirmatif. Alors voilà, je viens de redémarrer là pour le coup. Je viens de rebrancher, de rallumer là pour une nouvelle vidéo. Alors pour les stations là qui vont écouter là cette nouvelle vidéo, eh bien on était juste avant en uniforme Sierra Bravo, très embêté par la mairie du Sud, au point que le CUNESSO commençait à devenir très compliqué pour nous. Et du coup, on a décidé de passer en Lima Sierra Bravo, et là, eh bien, c'est que du bonheur, on entend à nouveau le Québec très bien. Et comment je parle? Je suis en train de parler petit nègre, moi. Eh bien, c'est pas grave. Retour Gilles, pour voir si d'autres stations là, ont suivi derrière. Je l'ai entendu, et comme je suis en même temps là en train de faire à nouveau et encore une vidéo, Achille, il aura le plaisir de pouvoir voir comment il est passé là sur le sud-ouest de France. Voilà, les bottes 73-51, lui, de la part de Rémi, 14 ODR 002, sur le QRZ local, sur le sud-ouest, Daldi 33. Voilà, donc, retour de micro à vous. Ouais, Montréal.
Ah, la propagation a commencé à descendre un petit peu de mon côté, là je vous ai perdu là sur la fin. Affirmatif, 100% QSL entre Ottawa et Montréal. Et bien justement, là, je suis en même temps là sur Internet, sur Google Maps, et je suis en train de regarder un petit peu là où vous êtes là, les uns les autres. C'est très intéressant là. Ah oui, j'aime bien là. Ouais, ouais, ouais. Et vous êtes tous regroupés un peu dans le même secteur, hein, là, Gatineau, Ottawa, Montréal. Papineau, je ne sais plus le nom, oui, vous êtes tous groupés là dans le même secteur. Hein. Ah ouais, là je vous vois là sur le enfin je vous vois façon de parler là, je vois très bien là où vous êtes là sur Internet, hein. Voilà, Gatineau, Papineauville, Montebello, Ottawa évidemment, j'ai tout là, j'ai toute la carte là de devant les yeux là sur Internet. Voilà, je suis en train de mettre la caméra là sur l'écran de l'ordinateur, mais hélas l'image est un petit peu dégueulasse. C'est la qualité de la vidéo est pas très très bonne là sur un écran d'ordinateur là avec la vidéo. Ça, on a l'impression que ça saccade un petit peu là, l'image est un petit peu parasitée là sur la vidéo, mais bon c'est pas grave. Les gens qui regarderont comprendront de toute façon. Parce que j'ai un petit peu balayé la vidéo là sur la carte là, pour que tout le monde voie ça, quoi. Je commence à avoir soif, moi, à force là, que tu me repasses le micro. Là, c'est j'aime bien, moi, là, on entend d'autres stations là par chez vous. Il n'y aurait pas d'autres stations là qui aimeraient bien prendre le micro là de votre côté, là, dans les environs, là-bas, Gilles. Ok, merci pour le QSP, parce que là je le sors quasiment pas. Peut-être à peine que je le devine là, dans les QRM là, que j'ai là de mon côté. Il y a en même temps une balise là qui passe là sur la fréquence. Donc hélas, j'ai pas pu l'entendre. Le 2713 51 lui de 14 ODR 002
opérateur Rémi Sud-Ouest France, dans le secteur de Saint-Émilion, là, de, dans ces environs-là. On l'a toujours su que t'avais une grande gueule. Comme quoi, tu vois, moi aussi, hein, comme toi, j'ai une grande gueule aussi. Et pour le coup, eh bien, on n'est que nous en fréquence. Hélas, là, dans mon trou, là, je ne sais pas s'il y a d'autres stations qui break là derrière. Ça serait pas mal, Gilles, si tu pouvais les faire rentrer. Je ne sais pas. Enfin, je dis ça, tu sais ce que tu as à faire. Si quelqu'un se pointe, tu le feras rentrer de toute façon. Parce que là, moi, là, j'entends pas grand monde, hein, à part toi, là, ici, sur le QTH. Oui, QTH, tu vois, on a d'autres stations qui sont entrées en tuisson, puis on va faire entrer avec ta permission, Rémi, bien sûr. À l'avant, la station qui s'est manifestée, à part qu'il y avait, ici, il y en a à peu près Charlie 555, ODR 002, Rémi, puis Charlie Papa 070, Cédric, qu'est-ce qu'il y a d'autres stations? Ouais, ben j'ai un petit peu de tout, hein. J'ai toujours une balise là qui balaye la fréquence, un petit peu de QRM aussi, et puis tu restes là encore le seul là, que j'entende là, de mon côté. Hein. Ok, merci, c'est sympa. Quoi. Et ce qui m'étonne, c'est de ne pas entendre davantage de monde. Si j'ai bien quelqu'un là qui doit être certainement en FM ou en AM, là, qui me moustache un petit peu, mais autrement, ça doit être les pays de l'Est, je suppose. Je suppose, hein, je n'ai pas vérifié. Mais autrement, de ton côté, là, il faudrait peut-être motiver un peu plus là, les autres OM là, à venir là, prendre le micro là, sur la fréquence. Un chie trois coups. Retour, Gilles. Oui, QSL, mais tu vois, il y a beaucoup de monde qui sont sur la fréquence, qui sont en stand-by. Mais c'est que c'est pas tout le monde qui a les conditions de réception sur le QTH-14 pour prendre complètement en QSO. Tu vois qu'il y a beaucoup de perturbations et puis qu'il y a des gens qui vous entendent sur votre visage, aucun souci, mais avec beaucoup de chutes qui étaient par moment qui étaient dur à suivre le QSO pour eux, le QSL. Oui, affirmatif, hein. Là tu verras là encore là sur cette nouvelle vidéo, là je t'entends très bien. Hein. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné de pas entendre davantage de monde, parce que toi tu passes vraiment bien. C'est du bonheur là de mon côté. Là. C'est, j'ose plus dire du téléphone, parce que quand j'ai vu comment tu passes comme une merde au téléphone, à chier trois coups, je plaisante.
là, c'est nettement meilleur que du téléphone. Oui, QSL. Oui, mon téléphone, c'est vraiment comme tu dis, là, de la merde. Là. C'est de la merde, ici, au sous-sol, le téléphone. C'est pas plaisant, mais écoute, on fait un peu avec. Il y a une autre station qui s'est manifestée là, sur le QSO en avant. Affirmatif, affirmatif. C'est bien la Sigma Mantova 8 Turbo. Voilà, affirmatif. 8 radians à la base, fait dans les 7,50 m. C'est une antenne en aluminium qui est très très résistante. Voilà, et au niveau des emboîtements de chaque morceau, il y a des entretoises qui permettent de rendre ça encore plus solide. Et moi là-dessus, j'ai encore rajouté quelque chose. Tu as de simples colliers à chaque fois là qui tiennent les emboîtements. J'ai doublé les colliers. Alors ce qui fait comme ça, si j'ai un collier qui se desserre un petit peu, j'ai toujours l'autre qui est là pour bien maintenir, pour que rien ne bouge. Et l'antenne est montée qu'à 9 mètres du haut, de haut. C'est tout, pas plus. Cédric est en train de me dire aussi que lui aussi utilise la même antenne que toi. C'est bien ça, Cédric, hein, l'attaquement. Oui, QSL, tu vois, ça arrive aussi, là, comme ça ici, là, Cédric, là, à 59. C'est du téléphone des deux stations. Ben, tu vois, on était privés un peu de deux jours, mais ensuite, nous sommes gardés de nouveau, là. Et en souhaitant que la propagation nous vienne quand même pour un bon petit bout, là, parce que quand ça chute comme ça, puis que nous ne savons pas quand la propag va rouvrir, nous, on trouve ça un petit peu désagréable sur la fréquence qu'il y a d'elle. Sur Facebook, oui, QSL, que tu aurais mis Gandhi en contact avec toi sur Facebook. Ok, si tu veux prendre note très rapidement, Charlie Bravo, l'étonnant avec un S, ok, francophone, du 27-625, l'étonnant, le CB l'étonnant francophone du 625, 27-625. Oui, QSL, mon ami, Charlie Bravo, espace, thank you.
Alors, le QSL, c'est de... Ouais, merci beaucoup pour le QSP. Et puisque justement là tu étais en train de parler là du groupe Facebook, et bien je suis en train de filmer en même temps. Voilà, j'ai fait un petit passage vidéo là sur la CB CB l'étalon francophone du canal 27 625, et en même temps sur sur mon groupe Division 14 ODR. Voilà, pour montrer qu'on fonctionne bien ensemble, qu'au contraire, on est là pour la francophonie des ondes. 100% mon ami, 100% Rémi, oui. Oui, ça fonctionne très bien. Tu sais, l'autre jour, tu m'avais envoyé un commentaire disant qu'il y avait des stations quand même anglophones qui venaient en fréquence, oui, mais la fréquence vraiment créée pour les stations francophones que telles. J'ai bien Roger, hein, il n'y a aucun problème. Mais ça, là-dessus, je ne discute pas, il n'y a aucun problème. Hein. Mais c'est vrai que, faut l'avouer, vous n'êtes pas que francophone, vous êtes multilingue, hein, et vous avez des facilités, vous, de votre côté, de ce côté-là. Donc, moi, dans ma façon de voir, c'est que j'avais l'impression que ça fermait un petit peu la porte aux autres stations, rien que par le nom. Nous fermons pas la porte, tu vois. Ça dit bien les stations francophones, mais c'est sûr, parce que si on commence ici à prendre les stations anglophones et puis mixer ça ici, sur ce côté-ci, il y a bien des stations sur le côté de la langue française qui vont trouver ça un petit peu mal commode ici. C'est le QTH9, il y a beaucoup, c'est pas tout, mais il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas la langue anglaise de ce côté-ci. Et puis quoi, c'est de même ce QTH14 aussi, qu'il y a des stations qui ne parlent pas la langue anglophone. Alors si on commence à introduire beaucoup de contacts QSO dans la langue anglophone sur le 625, alors là je pense qu'on va foutre le bordel, le QSL. Je veux pas être... être mauvaise langue de temps en temps, ça fait plaisir. Le bordel, tu le fous déjà pas mal comme ça. Ah, je plaisante. Je profite que j'ai le micro pour te dire, pour te faire un QSP. Georges Victorico, il t'envoie les bonnes 73. Il t'envoie les bonnes amitiés là, sur le groupe CB, les talents francophones du 27625. Voilà, je te fais les QSP. Pour Georges Victor Rico. Oui, affirmatif. Voilà, il te dit
salut 555. Voici le message. Affirmatif, là voilà, je suis en train de lui répondre, de lui écrire en même temps. Ok, voilà, ça y est, c'est fait, le QSP est fait. Merci beaucoup.